parlé déjà hier. Je sais pas trop ce que je vous ai dit d'ailleurs. Voilà, on a décidé de se séparer. Oula. Et moi je vous aime toujours autant qu'avant. Et je serai toujours votre papa, ça changera jamais. Mais pourquoi tu nous dis ça, papa? C'est vos histoires. Après, quand tu reviendras à la maison, on ne parlera plus, c'est tout. Mais attends, j'ai fait un risotto. Oui. Ce n'est qu'un homme qui tombe. J'étais lamentable. Arrête, en sorte que tu les aimes. C'est ça le plus important. Pourquoi tu nous aimes plus? Ça va pas, non. Pas facile pour elle, tout ça. Tu crois que c'est facile pour nous? Vous passez votre temps à nous dire que c'est pas grave, tout ça. Que rien n'a changé. Alors que tout a changé. Viens dîner à la maison samedi soir. Je peux pas ce week-end, j'ai les enfants, j'ai pas vu plein de trucs avec eux. Arrête avec les enfants, tu deviens con, hein. Isa, je te présente Antoine, Antoine, Isa. Alors c'est vous, Antoine. Quelqu'un passe par le vieux port? Oui, nous on passe par le vieux port, hein, Antoine. Léo, s'il te plaît, tu arrêtes avec tes plans gonzesses, là. Je n'ai pas envie. Mais c'est pas des pépites, ça. Quoi? Je sais pas, chez mes parents, il y en a toujours. Chez qui? Chez maman, je veux dire. Alors votre mission les enfants ce matin, si vous l'acceptez, c'est qu'il va falloir me rendre cette cabane un peu plus rigolote. Pourquoi tu veux pas lui casser la gueule? T'as peur de lui? Vincent, maintenant tu m'emmerdes. Vincent, arrête. Tu sais, mon père a divorcé 3 fois et je l'adorais.